Les push-ups ou les pompes sont sans doute l'exercice de fitness le plus répandu. Nous allons voir qu'enceinte, c'est possible. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxi Santé. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice très connu qui s'appelle les pompes et nous allons voir qu'en fonction de la période de la grossesse, nous pouvons les réaliser. Alors, ça va être séparé en trois parties. Une partie où on va parler des pompes du premier trimestre, ensuite du second trimestre et pour terminer du troisième trimestre. Alors il faut savoir que les pompes est un exercice qui est assez complet, qui alterne à la fois la notion de gainage et de renforcement bien évidemment du haut du corps, mais aussi tout le long du dos, du tronc, des fessiers et d'une partie des jambes. Donc c'est assez complet et l'avantage c'est que ça peut se réaliser un peu n'importe où. Je vous laisse donc visionner les trois pompes. Première pompe, pour le premier trimestre. Alors c'est les pompes traditionnelles sur les mains et les pieds, le dos bien droit, coude et épaules et dos formant une flèche vers la tête. Et ensuite on descend et on remonte. On respire bien et on peut faire ça avec des séries de 5, 10, 15, 20 ou plus si vous le ressentez. Ensuite on peut changer les positions des mains et se mettre en position diamant, ce qui permet de travailler différemment au niveau du muscle pectoral essentiellement. Attention, position des coudes et des bras. Il faut éviter de trop écarter les coudes du tronc pour éviter de former un T entre le dos et l'axe des épaules et des coudes. Si l'exercice est trop difficile, on peut faire les pompes en se mettant sur les genoux, ce qui nous permet d'introduire les pompes du deuxième trimestre. Deuxième pompe pour le deuxième trimestre. Alors là, il s'agit donc des pompes sur les genoux afin de diminuer la force sur les bras et le poids avec le volume du ventre qui va augmenter. On peut positionner nos mains de la même manière que sur la première série, que ce soit parallèlement ou en position diamant. 3 ou 4 séries de 5, 10, 15 ou 20 en fonction de vos possibilités. De la même manière, il faudra faire attention à la position des mains et des coudes, pas trop écartés, du tronc. Et pour les personnes qui n'y arrivent pas ou c'est trop intense, on peut faire des séries de pompes face au mur, ce qui nous permet d'introduire la troisième série pour le troisième trimestre. Et troisième pompe pour le troisième trimestre. Pour cette dernière série, c'est face à un mur. Ce sont des pompes où on va jouer avec plus ou moins d'inclinaison. Donc si c'est facile pour nous, on peut jouer en reculant un peu plus nos pieds du mur. Et si c'est difficile, on rapproche les pieds du mur. De la même manière, nous pouvons faire des séries 3 à 4, 2, 5, 10, 15 ou 20 en fonction de nos possibilités, que ce soit parallèlement ou en position diamant. Et de la même manière, il faudra faire attention à nos positions au niveau des coudes et des épaules pour éviter de former un T avec le dos. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.